Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne l'over-under asiatique. Okay, over-under, c'est le nombre de buts dans un match. Vous connaissez certainement le over 2,5, plus de 2,5 buts, mais connaissez-vous vraiment le plus de 2 buts ou le plus de 2,25 buts, par exemple? Okay, ce sont les over asiatiques. Énormément de parieurs ne comprennent pas comment fonctionnent ces marchés-là, ce type de paris. Et je suis sollicité assez souvent à propos de ces paris, donc j'ai décidé d'en faire une vidéo pour expliquer une bonne fois pour toutes comment cela fonctionne. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Philippe Bello, je suis parieur pro et j'ai créé le club privé des parieurs gagnants. Dans le club privé des parieurs gagnants, j'aide en fait les membres tout simplement en leur partageant, en leur envoyant tous les paris que je place. Comme ça, il leur suffit de copier mes paris et d'obtenir la même performance que moi dans les paris sportifs. Alors, pour l'over-under asiatique, eh bien, rien de plus simple que d'expliquer cela via un tableau, okay? Un tableau Excel. Alors, je vais diminuer la webcam et normalement, vous devez voir, eh bien, mon tableau Excel. Alors, je vais commencer par vous expliquer tout simplement comment lire ce tableau-là avec l'over 2,5, donc plus de 2,5 buts. Ça, c'est le nombre de buts, le marché classique, qui est over 2,5 classique. Disons que je mets une mise de 10 euros et que la cote est de 2. Alors ici, c'est le nombre de buts dans le match. Okay. S'il y a 0 but, évidemment, je perds ma mise. 1 but, je perds ma mise de 10 euros. 2 buts, je perds ma mise. 3 buts, je gagne mon pari. Okay. Avec une mise de 2, pardon, une cote de 2. Et une mise de 10, ça me fait un gain de 10 euros. Et avec 4 buts et plus, hein, en fait, tout ce qui est 3 buts et au-dessus, eh bien, je gagne. Okay? Donc ça, normalement, je pense que la majorité des parieurs comprend comment l'over 2,5 fonctionne. Alors ensuite, on passe, eh bien, à l'over asiatique. Okay? Et là, je vais commencer par vous expliquer l'over 2. Donc plus de 2 buts, qu'est-ce que c'est? Parce que ce n'est pas plus de 2,5 buts, en effet. C'est plus de 2 buts. Alors là, la différence se situe, eh bien, non pas au niveau de 0 but et 1 but, parce que dans ce cas-là, évidemment, c'est perdu. Mais s'il y a 2 buts, okay, qui est en fait le chiffre qui est situé ici, hein, qui est mentionné dans l'over 2, ça veut dire que s'il y a 2 buts, en fait, ma mise est remboursée. Okay. S'il y a 3 buts, je gagne. S'il y a 4 buts, je gagne. Et tout ce qui est au-dessus de ça, c'est gagné, évidemment. Mais en fait, la grosse différence entre l'over 2 et l'over 2,5, okay, eh bien, c'est au niveau de la ligne du nombre de buts égal à 2. Okay. Quand le nombre de buts est égal à 2, okay, est-ce que je suis vraiment à la limite? Okay, je suis à l'over 2. Okay, eh bien, là, dans ce cas-là, ma mise est remboursée. Donc, on voit que le profil de perte et de gain est différent. Quand je perds évidemment ma mise. 2 buts, je suis remboursé. Et quand je gagne, attention, je vais gagner moins que la cote de l'over 2,5. Logique, puisque ce pari est moins risqué. Il y a une ligne en moins où je perds de l'argent. Donc le pari est moins risqué, c'est-à-dire que ma cote est plus faible. Ici, j'ai pris par exemple une cote de 1,70. OK pour ça? Alors, une fois que vous avez compris l'over 2, on peut passer à l'étape supérieure, encore un peu plus compliquée, c'est l'over 2,25 buts. Okay. Alors là, je pense qu'il y a peu de parieurs qui comprennent ce que ça veut dire en effet, parce que 2,25 buts, voilà, le 2,25, à quoi il sert? En fait, ça ne représente pas réellement un chiffre pratique ou lié au nombre de buts, mais ça veut dire qu'on va en fait splitter sa mise en deux. Okay. Donc, si ma mise est de 10 euros, voilà, je vais placer une mise de 5 euros sur l'over 2 et je vais placer une mise de 5 euros sur l'over 2,5. Et donc, c'est une façon de noter assez pratique où en fait on se situe entre les deux. Donc, entre 2 et 2,5, ben, on a 2,25. Okay. Mais en tout cas, dès que vous voyez ceci, n'oubliez pas qu'il faut miser, il faut diviser, pardon, votre mise en deux. Okay. 5 euros sur l'over 2, 5 euros sur l'over 2,5. Alors ensuite, c'est simple, c'est simplement les deux tableaux cumulés.
Maintenant que vous savez comment fonctionne l'over 2 et vous saviez déjà comment fonctionnait l'over 2,5, eh bien, on peut tracer le profil de gain, de perte ou de gain. L'over 2, eh bien, voilà, je repars. S'il y a zéro but, que se passe-t-il? Eh bien, je perds l'over 2, je perds l'over 2,5, logique. Donc, je perds, en fait, les deux mises. Je perds 5 euros et je perds 5 euros, ça veut dire que je perds 10 euros au total, donc la mise totale. S'il y a un but, même schéma, okay, je perds l'over 2, je perds l'over 2,5, donc moins 5 euros, moins 5 euros, c'est égal à moins 10 euros. Là où ça se complexifie un peu, c'est là la subtilité. Que se passe-t-il s'il y a deux buts? Bien, comme on l'a vu, l'over 2 est remboursé, l'over 2,5 est perdant par contre. Donc ici, je ne perds pas d'argent. Donc, je gagne 0 euros, je perds 0 euros. Par contre, ici, je perds ma mise de 5 euros. Donc, au total, je perds moins 5 euros. Ce qu'on voit, c'est qu'au lieu de perdre sa mise totale, on perd une demi-mise. En fait, on appelle ça une demi-perte, okay, dans ce type de pari. S'il y a 3 buts, eh bien, s'il y a 3 buts, je gagne l'over 2 et je gagne l'over 2,5. Mais ça nous fait quoi comme gain? Eh bien, ici, j'ai placé 5 euros à une cote de 1,70, donc ça me fait un gain de 3,5 euros. Et ici, j'ai placé 5 euros à une cote de 2. Évidemment, il faut prendre la cote respective, hein, de l'over 2 et de l'over 2,5. Au total, 3,5 plus 5 égale à 8,5 euros. Okay? Et au-dessus de ça, 4 buts, 5 buts et plus, c'est les deux sont gagnés, c'est le même schéma. Donc, on voit en fait que ce pari-ci, en cas de gain, équivaut à une cote de 1,85, qui est la cote entre le 1,70 et le 2. Okay? Donc voilà, c'est comme ça que fonctionnent les over asiatiques. Quand on parle de over-under asiatique, ça comprend les chiffres, on va dire les chiffres ronds, alors over 2, over 3, over 4 et les points 25. Okay? Alors ici, je vous ai mis un 2,25. Que se passe-t-il si c'est un over 2,75? Eh bien, il n'y a rien qui change. Une fois que vous avez compris la logique, vous devez splitter votre mise en deux, une demi-mise sur l'over 2,5 et une demi-mise sur l'over 3. Et ça nous fait un over 2,75. Vous pouvez appliquer cette logique à chaque fois et c'est de cette manière que fonctionne l'over-under asiatique. Donc voilà, il n'y a rien de plus à dire, il faut juste qu'on vous l'explique une fois, c'est pas si compliqué en réalité, mais ça doit être expliqué au moins une fois pour comprendre comment ça fonctionne exactement. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Est-ce que cette vidéo, eh bien, vous a aidé à mieux comprendre l'over-under asiatique? Laissez-moi un commentaire pour me donner votre avis. Si vous avez d'autres questions, quelque chose que j'ai mal expliqué, laissez-moi aussi un commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de souscrire à ma chaîne YouTube pour être notifié immédiatement quand je publie une nouvelle vidéo. Okay? Surtout quand je publie le pronostic public, qu'il est important de voir assez vite pour placer son pari et ne pas subir une chute de cote éventuelle. Voilà, merci encore de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.